Salut à tous! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, les romans que je vous conseille de lire pour cet été, car au moment où je sors cette vidéo, on sera bientôt l'été. Et j'avais très envie de vous proposer une liste en fait de livres que j'ai moi-même lu soit l'été à la plage, soit l'été pas forcément en allant à la plage, des romans un petit peu plus légers que ce qu'on peut lire le reste de l'année. Moi je sais que c'est la période où je lis des choses un peu plus légères, alors surtout lorsque j'étais plus jeune et que j'allais dans le sud de la France à la plage tous les jours et ensuite où je faisais autre chose, je lisais que très rare, enfin je ne lisais pas beaucoup de thrillers, mais ça m'arrivait aussi. Mais du coup j'avais vraiment envie de me focaliser sur des livres un petit peu plus légers. Je n'avais tout de même pas envie d'appeler cette vidéo les livres de comédie à lire cet été, parce que tout simplement il n'y a pas que des livres de comédie. Voilà. Alors du coup j'ai fait un petit peu par auteur qui écrivent des genres assez légers. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors le premier auteur, enfin un des premiers auteurs qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé à cette vidéo, c'est l'auteur français David Fuenquinos, bien sûr. Donc j'ai mis ces deux livres-ci qui sont Je vais mieux et Le mystère Henri Pic, parce que ce sont deux livres assez légers que j'avais lus. Celui-ci, Un été à la plage, je me souviens très bien, et celui-ci c'était au mois de mai. Mais voilà, je trouve que ce sont deux lectures assez fraîches, assez légères, qui peuvent bien se lire lorsqu'on est en vacances ou lorsqu'il fait chaud, ou lorsqu'on est un petit peu plus chill dans son travail quoi, ou qu'on a envie justement d'avoir une histoire un petit peu plus tranquille si on est au travail ou quoi. Moi je sais qu'en juillet je vais travailler, du coup je vais plus lire des livres un petit peu plus légers, parce que déjà c'est pénible de bosser quand il fait chaud et que certains sont en vacances, donc je pense que c'est pas mal. Alors celui-ci il est très particulier et je l'avais absolument adoré. C'est en fait l'histoire d'un homme qui se réveille et du jour au lendemain il a mal au dos, mais un mal de dos qui l'empêche de vivre littéralement. Et en fait il va se rendre compte que c'est une... qu'il y a un mal-être psychologique qui s'est complètement répandu dans son corps. Voilà, donc une histoire très originale, très singulière, que j'avais beaucoup aimée. Pour le coup ce n'est pas un roman de comédie, mais ça reste une histoire assez légère, très fraîche, et je vous recommande vivement. Et bien sûr tous les livres que je vous mentionne seront listés dans la barre d'infos avec les articles que je vous ai fait. Et en plus j'ai fait un gros projet là pour mon blog, j'ai repris en photo tous les livres que je vous ai postés en article sur le blog depuis le début du blog, où les photos étaient très très moches. Donc du coup vous aurez de jolies photos, donc allez voir, ça me fera plaisir. Du coup, oh là là, la luminosité là, c'est horrible. Du coup, je vous conseille vivement celui-ci. Et j'ai mis également Le mystère Henri Pic, qui a été adapté au cinéma, bien adapté. Et celui-ci, c'est assez drôle. On va suivre une éditrice qui s'appelle Camille, qui va découvrir un manuscrit brillant dans une bibliothèque de livres oubliés en Bretagne. Voilà, et ce manuscrit va être publié alors qu'il s'agit d'un manuscrit écrit par un homme qui est décédé. Voilà, donc vraiment très très bien également, et je vous le conseille vivement. Et David Fuenquinos, de façon générale, il écrit du contemporain avec des histoires assez particulières et assez légères au niveau du genre. Deuxième auteur à laquelle j'ai forcément pensé quand j'imaginais cette vidéo, c'est bien sûr Catherine Pancol, avec notamment Muchachas et Scarlett si possible. Alors Muchachas, il y en a trois, il y a également Central Park, là, les écureuils à Central Park et tout ça. Celui-ci, on va suivre trois jeunes filles dans les années 1968, qui vont quitter leur province pour habiter Paris. Alors il n'est pas forcément que très léger, mais c'était une lecture tout de même assez, assez légère et fraîche. Et voilà, et c'était très très cool. C'est un roman d'apprentissage, mais que j'avais beaucoup aimé et qui, je pense, se destine pas mal à la période quand il fait chaud et tout ça. Et pareil pour Muchachas, parce que Catherine Pancol, de façon générale, elle écrit du roman contemporain, un petit peu un roman d'apprentissage, des romans d'apprentissage également, parce qu'en fait là il y en a trois, donc c'est un petit peu un roman de vie quoi, qui s'étale sur plusieurs années et qui suit beaucoup de personnages. Pareil pour la saga avec les écureuils, les tortues et compagnie. Et lui c'est un peu la même chose. Elle aime bien faire ça et je trouve que c'est assez frais comme genre de livre. Et d'ailleurs, là, j'ai son tout dernier qui est 3 baisers que je lirai probablement bientôt. Je trouve que c'est vraiment le genre de lecture qu'on a envie de faire à l'approche de l'été, quoi. Donc voilà.
J'ai mis également Tout en honnêteté sans Facebook de Romain Puertolas. Je vous en parlais dans mes livres lus en avril que je vous laisse juste ici. Je l'avais beaucoup aimé. On va suivre une lieutenante de police qui s'appelle Agatha Crispies qui s'ennuie dans son petit bled de New York, Colorado, 150 habitants, qui n'a rien à faire à part manger des donuts au chocolat toute la journée. Mais un jour, il va y avoir un meurtre. Elle va enfin être occupée, chercher des indices sur le meurtrier. C'est absolument hilarant. On a Joël Dicker qui apparaît dans l'histoire. On ne sait pas pourquoi. C'est très très drôle, très frais. Donc c'est une lecture que j'ai réalisée en avril pour aller au Japon. Et je peux vous dire que c'était totalement approprié, quoi. Et c'était trop bien. Et je vous le conseille vivement. Évidemment, la reine du roman de comédie, je ne pouvais pas ne pas la mentionner, c'est bien sûr Sophie Kinsella avec sa saga de l'accro du shopping, mais aussi tous ses autres livres de façon générale, Les Petits Secrets d'Emma et compagnie, après je ne les ai pas. Je me souviens que c'est une des auteurs qui écrit de la comédie que je lisais lorsque j'étais ado, de mes 13-14 ans jusqu'à mes, ouais, bien mes 17 ans passés. Je les ai quasiment tous lus. L'accro du shopping, c'est une de mes sagas préférées, c'est absolument hilarant. C'est une jeune femme qui s'appelle Becky Bloomwood, qui est absolument accro au shopping, mais quand je vous dis accro, ça veut dire qu'elle a mille et un vêtements, pire que moi, et qu'elle achète absolument tout ce qu'elle voit. Putain, mais c'est quoi cette lumière? Ça veut dire qu'elle va voir les femmes dans la rue qui vendent des statues trop moches, elle va lui en prendre une parce qu'elle ose pas dire non. Enfin, elle est très 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 grave, très gravement atteinte. Mais c'est absolument hilarant, c'est typiquement le genre de lecture pour la plage, c'est très léger. Becky est un personnage assez sympathique mais également très naïf et un peu bête. A posteriori, je sais que la saga a été publiée sur plusieurs années, bien sûr quasiment 8-10 ans. Et là, lorsque j'ai lu le dernier qui devait être lui, j'ai trouvé ça très naïf. Alors c'est bien, mais on se rend compte vraiment que Becky n'est pas très... Voilà, et bien sympa, mais elle n'est pas très finie, on a fort à redire de ses actions. Mais voilà, c'est très très drôle et forcément c'est le genre de lecture que l'on fait, surtout l'été. Dans un genre un peu différent mais que j'avais tout de même envie de mentionner, il s'agit de Michel Bussy. Alors je vous ai fait une vidéo spécialement sur lui il n'y a pas longtemps que je vous mettrai dans le petit i juste là. Alors c'est un auteur assez populaire qui écrit des romans contemporains sur un fond toujours d'intrigues policières, donc ce n'est pas forcément les lectures les plus légères, mais je trouve que c'est frais et que c'est sympa à lire pendant l'été, parce qu'on est toujours plongé dans une atmosphère très particulière, dans une ville précise, avec des personnages bien choisis, une intrigue bien ficelée, et je trouve que pour l'été c'est le juste milieu entre la comédie et le thriller, parce que c'est ni totalement léger, ni totalement glauque à la Jean-Christophe Granger ou à la Tillier qui est un petit peu hardcore. Je me rappelle que j'avais lu un Granger un été à la plage, c'était très compliqué, histoire de cannibalisme et tout, j'ai vite arrêté. Donc voilà, je vous conseillerais Bussy, dont c'est de là, et les articles, et ainsi que ma vidéo seront dans la barre d'infos. La reine également du roman de comédie que j'adorais, je l'ai même plus adorée que Sophie Kinsella. C'est Isabelle Wolf. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, moi je la connais assez bien, personnellement, c'est au téléphone récemment. Non, c'est pas vrai, j'aimerais bien, parce qu'elle a l'air assez cool, j'ai quasiment lu tous ses livres, elle ressemble à ça, voilà. Donc je les lisais quand j'étais ado, collège, lycée, dont Misérable Miranda, qui est l'histoire d'une jeune femme qui est thérapeute pour animaux, donc totalement improbable, et elle va rencontrer un homme, il me semble. Donc il faut qu'elle calme les névroses des animaux ainsi que les siennes en fait. Il y a toujours une histoire amoureuse dans le fond. Ce n'est pas complètement léger, mais c'est très drôle, c'est très... Ça reste quand même léger, c'est très... Souvent il y a une... La profession de la personne où les situations sont assez loufoques et très originales, c'est pour ça que j'adore. On a aussi également un amour vintage entre autres, hein, parce qu'elle en a écrit une dizaine, j'en ai plus d'une dizaine. Celui-ci, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Phoebe qui va ouvrir son magasin vintage, dont ces robes-là qu'elle appelle les robes cupcake, idéales pour les prom balls, les balles de promo. Et voilà, encore une histoire assez légère que je lisais absolument tout l'été et que je vous recommande vivement. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur, mais son premier roman date de 99, qui est Les Tribulations de Tiffany Trott, que j'avais lu également. Voilà.
Dans le même genre, on a également celui-ci, Confidentialité assurée de Jessica Brody. Celui-ci est aussi un roman dit de comédie. Ils sont tous publiés aux éditions Pocket, mais on va suivre une jeune femme qui s'appelle Jennifer, qui est une jeune cadre dynamique. Et de l'autre côté, on a Ashlyn, qui est une femme fatale, employée par des épouses, en fait, pour tester la fidélité de leur mari. Voilà, elle est testeuse de fidélité, donc elle a double casquette, elle a deux prénoms, deux identités et tout ça. Alors c'est assez léger, encore une fois je n'ai pas d'autres termes, c'est un petit peu relou. Mais voilà, ça reste quand même bien trouvé, c'est cool, donc voilà. Et celui-ci je l'avais lu à Bali, sur la plage et pendant mon voyage, donc voilà. L'avant-dernier auteur bien sûr, il s'agit de The Queen, Lauren Weisberger, qui a écrit entre autres Le Diable s'habille en Prada. Je vous avais fait une vidéo spécialement sur elle parce que je l'aime trop. Je vous la laisse juste ici, c'est un peu la queen des romans de comédie avec, avec Isabelle Wolfe. Selon moi, alors c'est un genre que je lis beaucoup beaucoup moins depuis bien 5-6 ans. Mais je vous rappelle que ces deux-là, je les avais absolument adorés. Donc on a bien sûr Le Diable s'habille en Prada, où on va suivre Andrea qui va arriver chez Runway, qui est un magazine de mode dirigé par Miranda Priestly, l'impitoyable Miranda, incarnée à l'écran par Meryl Streep, qui est absolument brillante, qui serait en fait la caricature de Anna Wintour de Vogue US, et en fait elle va lui en faire voir de toutes les couleurs, donc on va suivre un petit peu le monde super à paillettes et à couverture glacée des magazines de mode et de la jet set de Manhattan et tout, c'est très très drôle. C'est très, enfin, drôle d'un côté, parfois dans des situations on n'aimerait pas être à sa place, notamment bah, la relation avec son copain ne va pas trop marcher. Mais voilà, c'est le genre de roman qu'on fait à la plage. Et ça, c'est un livre que j'ai lu deux fois, que j'avais absolument adoré. On va suivre Beth, qui a un boulot qu'elle déteste à New York, et qui va être poussée par son oncle Will et travailler dans une boîte de com, donc elle va devenir super busy à Manhattan. On va la suivre dans la vie nocturne new-yorkaise et tout, trop trop bien, c'est le genre de lecture vachement légère qu'on aime faire l'été, que j'avais très probablement lu l'été, que je vous recommande vivement et je les adore, ces deux-là. Et les deux derniers livres, j'avais fortement pensé à l'auteure française, on va revenir un petit peu à de la France, avec Diane Ducret, parce que Diane Ducret c'est une jeune femme qui en plus d'être super jolie, écrit très bien, elle écrit très souvent, alors j'en ai lu que deux, hein. Elle en a sorti bien 4-5 si je ne dis pas de bêtises, qui écrit en fait de l'autobiographie un petit peu romancée j'ai l'impression. Donc dans celui-ci on va la suivre de son enfance à sa vie adulte, entre le sud-ouest de la France, Paris, Rome, les États-Unis, en fait tout au long de sa vie où elle fait différents choix, elle rencontre différentes personnes. C'est écrit avec énormément de naturel, ça fait trop trop du bien comme style d'écriture, on la sent très très franche, sans phare, elle a une autodérision absolument incroyable. Elle dit des choses très légèrement alors qu'elle a vécu des choses très 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 dures, mais du coup je l'ai absolument adorée dans ce roman-là. Et il y a ce petit roman-ci que j'ai lu récemment, je vous le présentais dans mes livres lus en mai, que je vous laisse là. Dans celui-ci, en fait, elle se focalise sur à peu près 10 jours de sa vie, quand en fait elle va tomber sous le charme d'un homme canadien. Du coup, elle va aller chez lui au Québec, et elle va le voir dans son vrai environnement, avec son fils et tout ça, où elle va un peu déchanter, elle va être confrontée au choc des cultures avec entre les expressions françaises et les expressions québécoises. Donc c'est absolument ultra ultra drôle. Je pense que c'est typiquement le genre de lecture que l'on peut faire l'été parce que c'est léger, c'est rafraîchissant, voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment beaucoup de bien et je pense fortement acheter. Et j'ai une luminosité mais absolument insupportable là, qui n'arrête pas de changer, je suis désolée. Et typiquement j'en achèterai d'autres parce que je l'adore et elle fait trop trop du bien, voilà. Donc voilà, écoutez, c'en est tout pour les livres que je vous recommande de lire à l'approche de l'été, car ce sont tous des romans ou des auteurs qui écrivent tout de même des choses assez légères, mais tout en étant originales, rafraîchissantes et pas complètement naïves, hein, à part Sophie Kinsella et sa Betty Bloomwood qui est totalement naïve, et maintenant quand on la lit, on se dit qu'elle est très matérialiste et très dans la recherche du prince charmant et tout ça, peut-être c'est un petit peu trop édulcoré je pense, et ça représente trop une version de la femme d'il y a un petit peu 20 ans, c'est peut-être un peu démodé, mais tous les autres franchement c'est un petit peu en accord avec la société, ce sont des lectures qui font du bien, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu,
à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, parce qu'elles ne sont pas régulières au niveau du jour. Un jour c'est un lundi, un jour c'est un jeudi. C'est assez compliqué pour moi d'avoir une régularité, peut-être parce qu'en fait ça dépend de mes idées de vidéos. Voilà, si j'en ai beaucoup que je peux souvent en poster, ce sera tous les 7-8 jours, sinon ce sera plus les 9-10 jours. Voilà, n'hésitez pas également à aller voir sur mon blog toutes les photos que j'ai refaites, tous les articles seront en barre d'infos. Ça m'a mis un moment, mais honnêtement je suis fière de moi. N'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram, Facebook et ma chaîne de blog et mon blog. Voilà, et ma chaîne YouTube et mon blog. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!